convoqué à la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, ce mercredi, 23 mars 2022, Dr Lounseni Nabé, ancien gouverneur de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée, vient d'être placé sous mandat de dépôt. Il a été inculpé de détournement des deniers publics, corruption, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Et, il vient d'être conduit sous bonne escorte à la maison centrale de Conakry. Selon les informations, c'est au terme de 4 heures d'audition, de 12h à 16h, que le parquet de la CRIEF a décidé de placer Dr Lounseni Nabé sous mandat dépôt et le conduire en détention. Pour l'heure, on ignore l'élément matériel sur lequel portent les infractions retenues contre l'ancien gouverneur de la BCRG. Mais, certaines indiscrétions au sein de la CRIEF laissent croire que la croustillante affaire des 3 tonnes d'or avec la société de droit belge, Afinor, se trouve sur la balance. À noter que dans la matinée de ce mercredi, Dr Lounseni Nabé était aussi à la barre du tribunal de première instance de Kaloum pour répondre des accusations d'abus de fonction et vol portant sur un chèque de 4 milliards de francs guinéens.